Salut à tous, c'est Rayek, bienvenue pour ce 20e épisode de Level Up consacré à Hearthstone. Eh bien, on va continuer l'arène démoniste. Hein. Nous allons voir si je vais continuer ou pas. Je suis donc encore en marche ou crève. Voilà, bon, j'ai fait que 3 victoires. Hein. C'est pas terrible, mais bon. Allez. Excusez-moi. Alors, adversaire, paladin. Ça va être. On y est, parce que tous les tours, il va pouvoir faire des petits. Alors, ma main est beaucoup trop grosse, mais j'ai quand même gardé le dernier tauren. Et j'ai enlevé les deux autres. En espérant avoir des cartes de 1 ou 2. Ok, celle-là, c'est plus tard que j'aurais préféré les avoir. Bon. Bon, la pose. Le problème, c'est que comme c'est un paladin qui peut poser souvent plein de petites créatures, il va falloir absolument que j'ai du board. Là, je fonce parce que je sais très bien qu'il va utiliser sa 1-1 sur ma 1-3. Enfin, sur ma 3-1. C'était fait un peu exprès. Donc, ce tour-ci, normalement, je pense qu'il devrait faire pareil. Ok, parfait. Ah, ben, on va sortir l'Anihotron. Qui tombe parfaitement et qui va être boosté. Prochain tour, je pense que je vais poser le guerrier tauren. Non, Pas tu peux sous pas le ma cibler. surveillance. Ok. Que mes ancêtres veillent sur moi. C'est l'heure. Lui, il va faire mal. S'il tape dedans. Bon, après. Ok. En priant que ça tombe sur moi. Non, fallu que ça tombe sur lui, bien sûr. Hein. Alors on va prier que j'arrive à le grossir assez fort. On va voir ce que ça donne. Bon, maintenant il va falloir que je commence à. Ok, bon, bah il avait un truc qu'il pouvait donner aussi gros. Bon, je pense que ça va être très dur. Qu'est-ce que je vais pouvoir sortir? Ok. Ça, c'est bien tombé. Malheureusement, je pense que ça va être dur. J'aimerais bien que les grosses, un peu plus grosses, commencent à sortir. Ah bah. C'est bon. Qu'est-ce que je peux faire contre un truc pareil? Alors ça, j'ai celui-là.
Bien sûr. Ça va, j'ai pas beaucoup de sorts. Donc, il devrait pas trop me gêner. Mais. Quoi vous regardez? Ah, il a de ses cartes. Qu'est-ce qui pourrait m'aider? Ah, j'ai le manipulateur qui pourrait être pas mal. L'une d'argent ne tombera pas. Je la jouerai après le Nervi, je pense. Non, je pourrais pas la mettre avant le tour 10. Ah, il me faut du monde. Ça va se payer. C'est bon, ça m'a enlevé la moins difficile à gérer. On élimine les bébêtes petit à petit, en espérant tenir. Laissez-moi réfléchir. Mais je la vois mal là, celle-là. Bon, on va aller jusqu'au bout, mais ouais, parfait. C'est ce que je voulais. Et il va le soigner. Il y a quelque chose pour soigner. Faisons ensemble. Je le renvoie en main. Ok. Pas sous ma surveillance. Eh ben, il a eu de ses cartes en tant que paladin. Waouh! En plus ça, je vais pas pouvoir le jeter, parce que sinon ça va le booster. Faut que je le tue avant. Bon ben. Voilà, j'ai un peu plus de monde. Je pourrais arriver à gérer son gros bazar, mais bon. Ça me fait combien? J'ai 15 points de dommage quand même là. Mais bon, il a une main pleine. Voilà. Alors, en plus, il a eu une égalité. Eh, mais il a eu un construit ou quoi? Parce que sérieusement. Ah ouais, ok. Égalité, consécration. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire contre un truc pareil, moi? Non, mais sérieusement, il a eu un deck de malade. Hein. Et puis, je crois que j'ai pas de zone, donc je vais pas pouvoir gérer ça. Après, il va falloir gérer son gros truc. Mais bon, là, mes dernières cartouches, combien? 13 cartes. Mais sérieux, il a eu un deck? Oh, mon Dieu. Eh, mais c'est possible qu'il ait perdu déjà deux fois? Parce qu'il a vraiment, mais de ses cartes, moi, je peux vraiment rien faire contre ça, quoi. Là, je suis obligé de subir et de maintenir, mais waouh. De toute façon, là, il met un, hein, il tape deux fois, il suffit qu'il sorte une championne ou n'importe quoi d'autre. Ouais, il doit avoir. Championne. Hop, régiment de bataille. Mais il a eu un deck de malade. Mon Dieu. Là, je pouvais vraiment rien faire. Qu'il y ait des misplays ou pas en plein milieu, impossible de faire quoi que ce soit. J'avais aucun moyen d'arriver à gérer ces bestioles. Bon bah voilà, 3 victoires seulement sur cette arène. Ça va aller vite. Alors, qu'est-ce que j'ai droit? Donc déjà c'est sur un booster. Oh, quand même 3. C'est déjà pas mal. Allez, on le petit booster.
25 gold et un portail instable, pas mal. Ah, maintenant il donne des cartes. Pas mal, pas mal. Donc voilà, pour cette arène. Bon, pour que la vidéo ne soit pas trop courte, je vais quand même faire deux petites parties avec mon deck démoniste. Donc comme là on est le premier du mois, donc je suis pas sûr que je vais arriver à... Quoique, faudra voir. Alors, démoniste, c'est parti. Alors, donc j'ai mis deux feux de lame, parce que j'ai pas de toute façon les bombes à matière noire. Deux feux de lame, deux puissances accablantes, deux voiles de mort, deux marcheurs du vide, qui sont les petits tonnes, deux sergents grossiers, qui permettent de booster une créature et de taper un peu plus fort, deux amasseurs de butin pour piocher, une chouette pour passer un taunt ou enlever une créature qui était un peu gênante, deux guerriers de la branchie bleue pour taper un peu vite, un loup alpha parce que j'en ai qu'un, deux œufs nérubiens que ben, je vais essayer de booster si possible avec d'autres créatures, deux rampants tentés, pareil qui je booste etc. avec d'autres, deux golems des moissons, deux défenseurs qui sont très pratiques avec les œufs. Deux naines symbrophères qui permettent de booster les créatures, deux yétis, Oreb et le chevalier noir pour pouvoir passer un taunt. Allez, c'est parti, deux petites parties en classé bien sûr, donc début du mois, hein, rang 23, donc démoniste il est là, vous avez vu, je ne l'ai pas beaucoup joué, hein, que cette partie par rapport aux autres. Là regardez, mage, 55 parties, 38 paladins, 12, 9... 32, mon prêtre a pas mal joué aussi, voleur, druide 25, chaman, quasiment pas. Et pareil pour le démoniste. Bah, je commence à avoir des cartes pour le démoniste maintenant, qui permettent, on va dire, de le jouer à peu près correctement. J'hésite à mettre dans ce deck là une... pas une ombre flamme, c'est l'autre, ah, ça revient pas. Bon, pour 4, ça fait 3 points de dommage à toute la table et aux joueurs. Le problème, c'est que j'ai beaucoup de créatures. J'aime bien. Je veux bien. Ok, hein, pas de problème. ok. Bon, elle va pas compter, celle-là. Hein. C'est reparti. Donc, oui, mais j'ai peur que ça détruise la plupart des créatures que j'ai sur le board. Donc, j'aimerais avoir un ombre flamme. Donc, de toute façon, la prochaine vidéo, ça va être un craquage de... Un craquage de booster. Hein. Normalement, je vais pouvoir m'acheter 11 boosters plus plus l'arène. Plus le... Oui, plus... Je vais arriver, je suis fatigué. Quoi, je vais garder celle-là. Non, je vais acheter donc le... Pas l'arène, le... L'aventure. La troisième partie de Naxxramas. Donc ça me donnera quelques cartes supplémentaires afin de pouvoir booster la plupart de mes decks. Alors. Ameka. C'est prévisible, mais c'est la folie. Il n'y a que ça, de toute façon. Début de mois, hein. Donc je suis pas sûr que j'arrive à gagner des parties. En plus, il en a deux. Et en plus, je peux pas le passer. Mais en plus, il est gentil. Venez-vous battre, vermine ! Non, je vais faire autrement. On sait jamais. Voilà, parfait. Préférer faire comme ça, ça me permettait de piocher une carte et d'éliminer la créature, sans avoir besoin d'utiliser mon sergent grossier. Là, ça va être intéressant, parce que prochain tour, je pourrais poser sergent grossier plus le golem des moissons. Ou au pire, je pourrais poser le golem des moissons plus la puissance accablante sur ma créature. Donc là, je pense qu'il va me dupliquer mon sergent grossier. Voilà, ça... Je l'élimine, je me retrouve avec une 4-4 et je pose mon golem des moissons.
On a la petite gemme. Et un petit coup de tam-tam. Ouf, ouf. Et ben là, je vais faire un petit coup de lui. Je lui mine sa bébête et on lui met un point de dégâts. Et là, on va espérer de tenir jusqu'au bout. Alors, une petite attaque. On va piocher une carte. Puis là, on pose. On essaye d'avoir un maximum de créatures sur le board pour le gêner. Là, on va l'obliger, entre guillemets, à utiliser son explosion de feu. Ouh, il joue avec la pioche. Ok, un portail. Ok. Dommage. Ok. Donc on va démarrer, on va commencer. On va taper dans celle-là. On va éliminer celle-là. On va aller piocher une carte. Ok. J'ai posé un Yeti. Et on va lui taper dessus. Donc après ça va, j'ai de quoi gérer. Et je pourrais même quasiment tout poser ce tour-ci. Ok, il me le gèle. Là il est obligé d'utiliser ses cartouches pour gérer mes bestioles. Je peux tout réparer. Ok. Alors il est à 5. Lui, je vais le faire rentrer là-dedans. On va poser un petit œuf. Je peux faire un jet de besoin. Mais en plus, on va le tonifier. Donc là, s'il utilise un frame strike, j'ai ma 4-4 qui arrive de toute manière. Donc pour le moment ça se passe à peu près bien. En plus il me reste 3, je peux poser lui. Ok, Dracazur. Qu'est-ce qu'il va jouer derrière? Boule de feu peut-être. Ok. Alors, on va éliminer. Je crois que je faisais 4, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 20. Non, j'avais pas assez. Alors, on va booster lui. On va éliminer lui. Il reste dans sa face. On va voir ce que je récupère. Oh bah un petit Yeti. Alors ça me ferait combien? Ça fait 4 et 4, 8, 10, 10, 11, 15. S'il me tue pas de créature, bon il va m'en tuer une je pense. J'aurais peut-être dû poser un marcheur du vide, j'ai hésité. Là, boule de feu, ouais, il est obligé de clean. Mais petit à petit, ben ça devient difficile. Ah! Ah oui, mais derrière, il a pas de mecha. Alors, je vais déjà poser
On loue. Pour être sûr de pas le perdre. Feu de lame. Ça va, j'ai pas perdu grand chose. Qu'est-ce qu'on va récupérer? Alors ça fait 4, 4, 8. Bon, on va lui mettre dans les dents. Hein. Ça fait 7. Ça ira bien. Bon, c'est chaud, hein. Parce que je suis bas en point de vie, donc... Mais est-ce qu'il peut gérer? Ok, il a posé ça. Mais ça va pas me gêner. Je vais passer à travers. C'est pas grave. Je fais toujours... Bon, je le termine de toute façon. Donc, ça, il va pas s'y attendre. J'aurais pu silence, hein. J'ai peut-être dit deux fois. Donc voilà. Bon, j'ai fait une petite partie avec. Une qui est... J'ai gagné tout de suite, celle-là. Bon, je vois que la vidéo atteint presque les 25 minutes. Donc, ben voilà. Donc, malheureusement, l'arène n'est pas allée plus loin. Mais j'ai quand même gagné une carte. Hein. Je crois que je ne l'avais pas du tout déjà, en plus. Si je vais regarder au niveau de mon mage, le portail instable, voilà, j'en avais pas. Donc c'est ma toute première. Peut-être l'intégrer à mon deck mage, je sais pas, je vais voir. Faudra que je réfléchisse. De toute façon, prochaine vidéo, craquage de booster. Et donc récupération de nouvelles cartes et amélioration des decks au passage. Voilà, ben sur ce, comme d'habitude, pensez à vous inscrire à la chaîne. Petit pouce up, petit pouce down si vous n'avez pas aimé. Et laissez des commentaires, hein, ça fait toujours plaisir. Allez, sur ce, à la prochaine.